Salut les randonneurs! Alors, il paraît qu'à partir de la semaine prochaine, on devrait pouvoir retourner dans la nature. Donc, moi, j'ai anticipé, j'ai déjà préparé mon sac. Je sais pas combien de temps je vais partir, mais que ce soit pour une nuit ou pour cinq, finalement, j'ai le même matériel, à part pour la nourriture, mais ça, j'y reviendrai après. Donc, je vous fais découvrir tout ce qu'il y a dans mon sac, et avant, je vous montre un petit tour du propriétaire. Le sac, hein, pas moi. Je sens déjà qu'il y a des questions sur ce truc-là attaché derrière. Bon, allez, c'est parti! Alors pour plus de simplicité, je vous mettrai le poids de tous les éléments affichés à chaque fois que je le présente et puis je ferai un récapitulatif en description avec les poids et les liens pour aller voir tout ce beau matériel. Bon, on commence par ce que vous avez aperçu. Alors oui, il s'agit d'un parapluie. Parapluie de trekking avec une face aluminisée à l'extérieur et une face noire à l'intérieur. Alors en fait pourquoi? Eh ben ça protège du soleil, il paraît que ça fait gagner jusqu'à une dizaine de degrés. Donc s'il fait 30-35 dehors, c'est agréable d'arriver à 20-25 quand même. Alors il faut savoir que j'aime pas trop la chaleur, même pas du tout, je supporte pas ça. Donc j'ai envie de me protéger de la chaleur et j'ai eu envie de tester cette année le parapluie. Alors bon, je vous dirai ce que ça donne. Hein. Et on voit déjà que ça protège très très bien des spots. Et voilà, parfait aussi pour la pluie. Et du coup, ça protège votre sac, ça vous protège bien. Parce que on a beau marcher, on a beau avoir comment dire, une veste de pluie étanche. Vous savez, au bout de quelques heures sous la pluie, bah, on est quand même mouillé par la transpiration aussi du corps, etc. Donc je pense que le parapluie peut être quelque chose de sympa. Sur le sac, j'ai également, vous l'avez peut-être aperçu, cet engin, c'est un Garmin Enreach Mini et c'est pour la sécurité. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo exactement à quoi ça sert. Je ferai une démonstration. Donc ça, c'est tout ce qui est accessible de l'extérieur du sac. Ici, j'ai ma platypus de 2 litres, sachant qu'elle contient réellement 2,4 litres hein, quand elle est remplie. Donc on a une bonne réserve d'eau. Toujours pour l'eau à portée de main, j'ai ma platypus d'1 litre avec le filtre Sawyer Micro Squeeze, comme ça si je trouve une rivière en passant et ben hop je remplis. Allez, on va passer à l'intérieur. Un premier sac, le sac cuisine. Alors on trouve un bol de luxe, une vidéo qui vous explique bien comment faire votre bol de luxe. Dedans, j'ai mis le bouchon de ma platypus d'1 litre, faut pas le perdre. C'est pas garanti que je le perde pas quand même, mais bon. Mon paravent en titane. Petite cuillère. Ma popote. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette popote? On trouve un mini bic, un mini couteau, un mini réchaud, tout est mini, hein, c'est comme une petite dinette, c'est marrant. Donc un mini réchaud en titane. On trouve une cartouche de gaz et puis donc la popote. Sachets, je vais les mettre là, les sacs. Ah, je continue, je trouve mon petit sachet avec les sardines et les piquets. Alors, j'en ai pris 3 en titane, 4 en alu, et puis j'ai, souvenez, cette pelle Vargo Dig Dig Tool qui fait piquet de tente pour les sols meubles comme la neige, le sable, la boue, mais qui fait aussi pelle pour creuser, pour faire ses besoins. On continue dans ce sachet. On va retrouver tout ce qui est électronique. Alors, et puis trousse de toilette. Trousse de toilette et trousse de réparation, donc des patchs pour le, comment dire, le tapis gonflable. Brossette interdentaire, brosse à dents, morceau de savon de Marseille, papier de toilette, Doliprane, bouchon d'oreille, pansement, trousse très complète pour mes besoins. Deux câbles, un câble micro USB et un câble USB-C, parce que j'ai les deux à brancher.
ma petite frontale Nightcore, une batterie externe 10 000 mAh, une petite bonnette pour mon micro. Alors le micro, enfin mon enregistreur, enfin il y a les deux dessus, je vous le montrerai parce que finalement je suis en train de m'enregistrer avec, et puis j'ai aussi le micro cravate, donc ça va là-dedans, et j'ai aussi un petit trépied que j'utilise sur ce smartphone ici, donc ça rajoute du poids, mais je l'ai compté dans le poids total. Une polaire. Alors la polaire, j'ai fait le choix de la mettre assez accessible pour éviter de défaire tout mon sac étanche qu'on va voir après. Ça permet, voilà, si j'en ai besoin, s'il fait un peu froid, si je fais une pause, ça me permet d'enfiler la polaire sans aller chercher dans le sac étanche. De la même manière, j'ai ma veste de pluie. Alors j'ai beau avoir un parapluie, ça me protège non pas non plus hyper sur les côtés et tout, on finit par être mouillé, donc j'ai quand même une veste de pluie. C'est une Frog Togs. Donc Frog Togs, c'est hyper léger, ça pèse 165 grammes ça. Mais avec ça, comment dire, on ressemble à rien. Je vous l'avais dit, hein. Oh bon voilà, super léger, franchement ça résiste bien, les gens en général apprécient hein, quand ils ont ça. Et puis bah, ça coûte rien non plus, hein, quelques dizaines d'euros. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mon Solescape BV Light. Mon matelas Sea-to-Summit Ultralight Insulated, top confort, taille régulière. Donc voilà, tout ce que je vous présente, c'est vraiment pour faire un bivouac top confort, enfin, selon mes critères. Ma fameuse tente, la Drop X-Mid, une personne. Voilà, donc on reste dans le tout confort avec une tente double paroi. Donc on a une tente intérieure avec moustiquaire, une tente extérieure. Ça, c'est une tente qui est hyper protectrice, c'est un palace. On a des vestibules immenses. C'est une tente, c'est royal, quoi. Donc je vous ai dit, hein, bivouac tout confort. Un sit pad qui me permet de donner aussi du coup un peu plus de confort dans le dos, parce que voilà, c'est un sac sans armature. Je l'ai vidé au maximum, j'ai enlevé la poche intérieure et j'ai enlevé la mousse qu'il y avait pour la remplacer par un sit pad. Ça faisait un peu double emploi. Et enfin, on arrive à mon sac étanche. Donc qu'y a-t-il dans ce sac étanche? Une paire de chaussettes de rechange pour la nuit. Ah oui, on reste dans le confort. Donc j'ai mon oreiller gonflable qui va très très bien parce qu'il y a des scratchs et puis il s'attache sur mon matelas, donc ça bouge pas. On reste dans le confort, donc un caleçon de rechange en mérinos, un bœuf, très utile pour ceux qui n'ont plus trop de cheveux par exemple, parce que des fois la nuit il fait un peu frais. Une polaire. Non, ça c'est une doudoune, ça s'appelle une doudoune en fait. Ouais. Une doudoune. Et ma couette. Ma couette drop. Voilà tout ce qu'il y a dans mon sac. Alors le sac avec tout ce matériel, avec le pied qui filme ici, avec le micro lavalier que j'ai sur moi, avec l'enregistreur que j'ai ici, on arrive très exactement à 5 kilos tout rond. 5 kilos tout rond pour un bivouac confort d'une nuit ou de plusieurs nuits. Ce matériel qui permet donc de faire du bivouac hyper confortable à des températures allant, je pense, confortablement 5 degrés, même sous les 5 degrés, grâce à la couette plus au Solescape Light. Je ne compte pas la nourriture ni l'eau. Cette saison, j'aimerais arriver à 600 grammes pour 3 000 kcal par jour de nourriture. Je ferai une vidéo pour vous montrer tout ça. Donc, si je tiens cet objectif, ça fait du 1,2 kg pour 2 jours. Donc, 5 plus 1,2, 6,2 kg pour un bivouac autonome sur 2 jours. Il suffit de rajouter le poids de l'eau, si on compte 1 litre en moyenne, si on remplit avec le filtre, etc. Si on compte 1 litre en moyenne, 6,2 plus 1, on arrive à 7,2 kg sur le dos, vraiment pour du confort, du luxe, hein, la sécurité avec le Garmin Enrich Mini, la batterie qui est assez lourde, le pied, les micros, plein de choses qui ne sont pas forcément utiles si on veut partir vraiment ultra light. Donc on n'est pas dans de l'ultra light, on reste quand même dans du léger. Après, ce qu'il faut, c'est que ça vous corresponde. Donc moi, je vais tester, voir si ça correspond à mes besoins. Est-ce que je m'allège encore plus au détriment du confort? Est-ce que je reste comme ça? Ce test va être important pour moi parce que j'aimerais faire dans les prochaines semaines
prochains mois la grande traversée des Alpes de Saint-Gingolf à Menton, dans les 650 km, 30 000 mètres de dénivelé. Et donc ça va être le test pour voir quel matériel vraiment je garde. Est-ce que je prends tout comme ça? Est-ce que je fais des modifications? On verra bien. Si vous avez aimé cette vidéo, un pouce bleu, un partage à vos amis randonneurs, ça pourrait leur donner des idées sur comment s'équiper, parce qu'on me pose souvent la question, on me dit « ouais, mais qu'est-ce que je prends pour la cuisine, pour dormir ?» Là, vous avez un petit aperçu. Et voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de bonnes randonnées et de bons bivouacs, et je vous dis à très bientôt.